Après cette introduction gênante, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, dans la miniature, dans la musique que je viens de mettre, j'ai 22 ans. J'ai pas trop envie, franchement j'ai pas trop envie. Moi 20 ans j'étais bien, après 20 ans j'ai refusé. Du coup, moi comme chaque année mon anniversaire j'ai décidé que c'était un jour férié. Voilà, clairement, vraiment ça fait 3 ans que je fais ça. Mon anniversaire c'est un fucking jour férié. Donc ça veut dire que pendant un an, là j'économise, c'est-à-dire là on est le 30 novembre 2023. Le 1er décembre 2022, j'ai commencé à économiser pour mon anniversaire aujourd'hui. Vraiment c'est là. Et demain, je vais réouvrir une enveloppe qui va s'appeler anniversaire 23 ans. Et ça sera pour mes 23 ans l'année prochaine. Je fais tout le temps ça. Et je me permets des trucs que je me permets pas dans l'année. Je fais mes trucs préférés. Je vais à Paris, je me fais un qui, je me fais un luxe, c'est d'aller à l'hôtel. Donc là je me suis pris un hôtel. Où est-ce qu'il est? Il est à côté d'Haussmann Saint-Lazare. Donc j'ai pris un hôtel, j'ai fait un petit programme. Je pars avec bien évidemment ma mère, aka ma bestie de l'univers en fait. Et attendez, je cherche le petit programme. Là il est 42, faut que je parte dans 8 minutes. Je me suis commandé un gâteau. Je l'ai payé hyper cher. Mais vous allez voir, il est trop mignon. Enfin, j'espère qu'il va rendre bien. J'irai le chercher tout à l'heure. Donc là vraiment petit programme. En fait je veux me faire un voyage et ma ville préférée c'est Paris, après c'est Londres. Bon après j'ai pas visité toutes les villes du monde non plus, mais donc pourquoi aller si loin alors que j'habite pas loin de Paris. Donc je prends ma valise qui est actuellement ici là. Je prends ma valise, je prends ma mère et je prends ma personne qui a 22 ans. Et je vais à Paris passer une journée de touriste, enfin une journée, un mini séjour de touriste, vraiment, vraiment en mode touriste, en mode je découvre Paris. Alors on va aller au Café Carousel, après il y a une exposition au Musée des Arts Décoratifs que j'attends depuis 6 mois. Quand je vous ai dit, j'ai été sur leur site, j'ai vu, ils avaient dit dans 6 mois il y a l'ouverture de l'exposition Iris Van Arpen, pardon. Ça fait 6 mois j'attends et j'ai vu qu'ils l'ouvraient le 29 novembre, je me suis dit pour mon anniversaire j'irai, il n'y avait plus de place. Vous voyez la déception sur mon visage de 22 ans. Voilà. Mais du coup j'ai appelé, elle m'a dit essayer de venir demain matin. Donc je vais essayer de voir, je vais y aller à l'ouverture. Après je vais faire du shopping, je veux m'acheter des trucs que je veux toujours m'acheter, des trucs qui coûtent cher, que je peux pas généralement m'acheter, mais comme là j'ai économisé je peux. Comme genre, vous savez là, je sais pas si on voit les livres là de catwalk de mode là, je les adore, je les collectionne. Et je les achète que, enfin j'en ai acheté que un. J'ai acheté Vivienne Westwood pour mes 20 ans. Ma mère m'a acheté le Dior pour mes 20 ans, mes copines m'ont acheté le Dior pour mes 20 ans. C'est-à-dire qu'en une année j'en ai eu 3. Et mon autre copine m'a acheté le Chloé pour mes 21 ans, j'adore ses livres. C'est ma passion, donc là j'aimerais bien me prendre le Chanel cette année. Et puis voilà, c'est des petits trucs que, je sais pas, des trucs que dans l'année je me dis non, j'attendrai mon anniversaire. Du coup voilà, donc là il faut partir incessamment sous peu, donc je vais mettre mon manteau, j'attrape ma mère, on prend le bus et on y va. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up.
Oh, c'est une bête. Oui. Oh, c'est beau, hein, c'est pailleté. Je te jure, c'est... Mais ça c'est brille. Pas une vraie bête. Mais regarde. Regarde dedans. Attends. Oh putain, j'allais poser un truc. Oh, c'est une montre religieuse. Ah, ça me dégoûte. Et... C'est une vraie bête. Ça veut dire, on dirait, elle a des sequins pour de vrai, quoi. Ça me dégoûte un peu quand même, hein. La peau. Mais ce qu'elle, hein. Paix à son âme. Tu regardes pas comment c'est beau ces ailes? Non, ça va. Je te jure, ça brille. Ah, c'est hyper zoomé. On voit rien. C'est le but d'un microscope. Bon, alors là, on est à Smith & Son. Il est 13h44. Très sympa. La fatigue se fait ressentir. J'ai pas beaucoup dormi ce pays, c'est pour ça. Je sais pas si on va m'entendre. Bref. Du coup, ce matin, on a galéré un peu dans les transports, un peu beaucoup même avec les valises et tout. Du coup, on a été déposer nos valises à l'hôtel. On n'a pas encore fait le check-in, il se fait à 15h. C'est de pire en pire les hôtels, c'est de plus en plus tard. Et après on a été où? Après on a été se prendre un petit déjeuner au Café Carousel. On a fait l'exposition Iris Van Harpen au Musée des Arts Décoratifs. J'ai acheté mon livre dans la librairie du musée. Je suis trop contente. Et là on fait un petit tour au niveau de la rue Rivoli. Je voulais aller m'acheter des macarons à la durée, mais ils n'avaient pas de boîte de 6, ils avaient que des boîtes de je sais pas combien. Je sais pas combien d'euros, du coup ça m'a saoulé, j'ai pas pris. Et là on est chez Smith & Son, aka la meilleure librairie anglaise du monde. J'adore. Du coup voilà, là on fait un petit tour. Et après, de toute façon je continue à vous emmener avec nous dans cette journée, mais je sais pas trop ce qu'on va faire après. Du coup voilà, les gens me fixent parce qu'on dirait que je parle à des livres. Non mais là on a fini là. Non. Oh, putain, mais pose ton fucking sac. Non. Ma mère. Ça va pas non. Jamais de la vie. Je peux faire une pause non? Oh bah vas-y. Non vas-y, fais une pause. Donc là, on est passé à l'hôtel qui est juste à côté de la gare d'Haussmann, tout ce qui est les printemps de ces derniers mois. Et on est passé au printemps et je me suis acheté un petit gel antibactérien chez Aesop. Et on est passé devant le Mango et il y avait une paire de lunettes que je voulais depuis hyper hyper longtemps. Et c'est le dupe, c'est vraiment la même chose, le dupe des Saint Laurent. Les Saint Laurent à 300 euros, bien sûr. Et là, elles coûtaient 20. Du coup, je les ai prises, attendez, je les mets, je vous montre. Ah, il y a l'étiquette. Comment vous dire? Ceux qui voient quelle paire de lunettes je parle, c'est vraiment la même. Je vous mettrai une photo pour vous illustrer. C'est vraiment la même chose, c'est que là, d'habitude, il y a écrit Saint Laurent en blanc. Et qu'elle coûte 280 euros moins cher. Je les aime, elles me procurent beaucoup de bonheur et de joie. C'est bon? Super. Je suis pas habillée en Saint Laurent? J'ai un manteau Saint Laurent. Des lunettes Saint Laurent. Et des boucles d'oreilles. Tu as pris un orangina? Vas-y, j'ai envie d'aller chercher un truc à manger, j'ai faim.
un petit sandwich ou un truc comme ça. Bon alors, là il est tard, il est presque 22h, donc là je viens de sortir de ma douche et j'ai arrêté de filmer parce qu'en fait ma caméra n'a plus de batterie, ça y est je suis fatiguée, c'est la fin de soirée, mes cheveux sont tout la bizarre sur dessus, bref. Du coup je vous ai filmé quand on était, je sais plus la dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'est quand on était dans le Swiss Edison. Bref, du coup j'avais plus de batterie, donc après on a été manger au Meunier. Dans les galeries Lafayette gourmet. Vous savez, en face des galeries Lafayette, il y a un galerie Lafayette spécial nourriture. Et dans les galeries Lafayette, il y a une boulangerie Meunier. Et j'ai toujours voulu y aller parce que ça me donnait trop envie. Et j'y suis allée et franchement, je ne vous conseille pas. J'y ai mangé 4 heures. C'était pas bon et c'était cher. Et il fallait payer 1,50€ pour manger sur place. Donc, saoulée, après, au printemps, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, je vous parle en même temps, je fais ma skincare. Je mets le truc de chez Fenty là, le. Et après, je m'en rappelle plus en fait. Attendez, je m'en rappelle plus. Si, après, on est passé par la place Vendôme. On a été à la rue Saint-Honoré parce que je voulais aller. J'ai aimé Westwood et j'avais repéré cette paire de boucles d'oreilles que je puis. Oh, ça fait un bon moment que j'avais cette paire de boucles d'oreilles. Je crois que ça fait au moins 2 ans. Du coup, là, je l'ai essayé et je l'ai acheté. Voilà, c'est mon cadeau de moi à moi pour mes 22 ans. Un gros cadeau. En plus de ce voyage, l'hôtel et tout que je me paye, bien sûr. Je me suis offert ma paire de boucles d'oreilles et après. Après, on a été prendre le métro à Châtelet et on a été à Belleville. Vous allez me dire pourquoi Belleville? Parce qu'on est passé, j'ai fait une commande Crush Cake. Crush Cake, ils font des belles cakes. Genre, ça a toujours été mon rêve et là, je me suis dit, là, je vais le faire. Du coup, on a été le récupérer. C'est un trop beau gâteau. Je vous mettrai des photos. J'ai fait plein de photos, de vidéos, de TikTok. Et puis, voilà, entre temps, on est parti s'acheter du Subway qu'on va manger là. Et puis là, du coup, là, le programme de là, maintenant, là, trop sympa. On va manger sous bois, on va regarder un film et je vais vous ouvrir le cadeau. Ça me procure joie et bonheur, la petite skincare, pour aller manger et ouvrir mes cadeaux. Attends, je suis trop pressée, bref. Et demain, on va continuer avec un petit peu de shopping, mais plus sur la rue Rivoli vers Châtelet, B&B, Bershka, chez Miklo. Truc un peu moins luxe. Voilà, ça y est, on retourne sur Terre, c'est plus mon anniversaire demain. Du coup, voilà. C'est mon sac qui m'a fermé le dos. Oh, je te l'avais dit, je te l'ai pas dit. Je t'ai pas dit 45 fois. Oui, il est tout petit par contre. Ça me dit quelque chose. Les avions là. Ah non, ça devient bizarre à la fin, c'est vrai. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans.
essoufflée, ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'envie. Bon alors là c'est le deuxième jour, je vous ai pas reparlé depuis hier. Vas-y, je te suis. Et alors ce matin on s'est réveillé, on a fait les choses doucement. Parce que hier on était trop fatigué, la journée était trop fatigante. Donc on s'est dit aujourd'hui doucement, on s'est levé tard, on a fait le check-out tard. Moi après je me suis préparée, j'ai fait quelques photos dans la chambre d'hôtel. Après je me suis changée et on a été au Demago pour un petit déjeuner et le chocolat chaud de mes rêves. Ça fait 6 mois, j'attendais mon anniversaire pour voir ce fucking chocolat chaud. Donc c'est ce qu'on a fait. Et là on a repris le métro et on est retourné au Garé Lafayette. Et on va faire un petit peu de shopping. Donc là on va aller chez H&M qui est juste là. Et après on va aller au Garé Lafayette parce que je veux une peluche Jelly Cat. Et j'espère la trouver au Garé Lafayette. Et s'il n'y a pas au Garé Lafayette, on ira à la Samaritaine. Du coup voilà. Donc là on est samedi, je vous ai filmé un petit peu la journée d'hier mais je vous ai pas trop reparlé parce que hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre temps, vraiment, on a fait le check-out hyper tard, ça je me rappelle vous l'avoir dit. Parce qu'on était hyper fatigués, ma mère avait mal à sa jambe, du coup il fallait qu'elle se repose un petit peu. Moi j'en ai profité pour faire une première tenue, faire des photos au niveau de la fenêtre de l'hôtel, de la chambre d'hôtel. Me rechanger pour toute l'après-midi, donc comme ça me permet d'avoir deux photos pour Instagram en une même journée. Ensuite on a été où? On a été au niveau des Galeries Lafayette pour faire un petit peu de shopping. En fait avec ma mère on s'est cherché des Jelly Cat pendant 2 jours. Il n'y avait pas. En fait moi je voulais le Jelly Cat croissant que j'avais vu à la Samaritaine. Et dans la journée je suis allée à la Samaritaine, il était out of stock. Et je voulais le Jelly Cat dragon et ma mère aussi. Et ils sont introuvables. D'accord, donc on a fait les printemps, les Galeries Lafayette, les magasins de jouets, la Samaritaine, on les trouve pas. Ils ont sorti que des collections de Noël, des baleines, des ours, c'est moche. Nous on veut le fucking dragon, il est trop beau et on l'a pas trouvé. Bref, du coup on a été à H&M, je voulais plein de trucs chez H&M, j'ai pas trouvé. Donc après on s'est posé, on est parti manger parce qu'on avait froid et qu'on avait faim. On a mangé dans un petit restaurant japonais qu'on aime trop au niveau de la rue Rivoli. C'était hyper réconfortant, c'était hyper bon, je me suis régalée. Et après on est allé dans Châtelet-Léal et je crois qu'après j'ai arrêté de filmer. Hein. On a été dans Châtelet-Léal, pareil parce que je voulais aller chez H&M et tout. Mais franchement on a rien trouvé. J'ai acheté 3 trucs au musée des arts décoratifs. Livre, des défilés Chanel. Voilà, donc du coup j'ai pris ça. Je suis passée au printemps et j'ai toujours voulu ça. Aesop, j'adore mais bon c'est un peu trop cher. Donc je me suis pris le gel antibactérien, il est trop bon. Du coup voilà, donc... très contente, comme ça après le packaging est trop beau, j'ai juste à le remplir avec du gel antibactérien tout à fait normal et qui ne coupe pas la peau du cul. Ensuite, dernier truc, cadeau de moi. Et du coup, j'arrive pas à croire que je les ai. Merci qui? Merci moi.
Oh mon dieu. Oh my god. C'est trop belle. S'il vous plaît. Attendez, je regarde. Oh, magnifique. Toujours dans la vue. Voilà. Oh, trop ravie, trop contente. Du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous ai embarqué avec moi vraiment pour mon anniversaire que j'organise et que j'ai, pour lequel j'économise depuis hyper longtemps. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mother Nature raised the news.